Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Écarlate. Alors j'avais fait le combat final, hein, vous avez dû le voir, et là ce qui se passe c'est que on peut affronter, comme j'avais prévu, hein, la partie post-game où vous pouvez affronter les Pokémon, enfin plutôt les champions. Les Pokémon des champions à un niveau qui est beaucoup plus élevé visiblement. Donc c'est ce que je vais faire, et cette fois je vais le faire dans l'ordre, enfin dans l'ordre établi. Donc là voilà, en plus on remet les champions. Et maintenant on nous dit juste, voilà, affronter un tel, voilà, affronter Hera. Donc maintenant, comme j'ai dit, on sait les choses, voilà, on connaît les choses. Et c'est surtout que on va jouer la non-pitchée, en fait. C'est-à-dire, voilà, je sais que l'autre c'est Pokémon Insecte. Pokémon Insecte, qu'est-ce que je peux faire contre le Pokémon Insecte? Je peux mettre la roche. Voilà. Même si c'est vrai que ça fait pas beaucoup. Et là, je me dis, vraiment, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de donner les attaques en fonction du champion à chaque fois, maintenant. Maintenant, je sais que c'est un champion de type insecte, et bien, on va Haggle, de type insecte, on va voir à quoi il est sensible. Donc déjà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu, il y a le vol. Et je vais garder la même équipe, bien sûr, mais de voir comment je peux réussir à m'en sortir un minimum. Donc là, je vais voir ce que je peux faire. Hein. Donc là, on fait, voilà, je fais résumer. Donc lui, par exemple, à quoi aller, quelle attaque il peut apprendre pour essayer de mettre la misère à un Pokémon insecte. Par exemple. Merde, attends. Oh putain, j'ai fait quoi? J'ai fait n'importe quoi. Voilà, bon, il peut réapprendre. Ça va. Il va se souvenir. Voilà, tu vois, ça c'est bien. Le fait que, voilà, t'as fait une connerie là. En plus, là, tu peux lui mettre une attaque si tu veux. Réapprendre, voilà, fallait pas faire oublier, fallait faire réapprendre. Donc voilà, lui, il a que des attaques là de merde. Voyons voir les CT si j'ai quelque chose de plus intéressant. Voilà, là, lui, ça servira à rien. Ah, mais Bourinos, ça m'étonne qu'il ait pas une attaque roche. Bon, il est type, ok, il est type sol, mais il devrait avoir peut-être une attaque roche, tu vois. On réapprendre. Bon, merde, maintenant qu'il a close combat, j'allais dire close combat, Tauronne, ouais, mais Tauronne, c'est bien pour casser des barrières quand même. Bon, rayon gemme avec lui, bon. Ok, bon, je vais l'affronter, j'ai dit. Maintenant, dans l'ordre, on va dire... l'ordre normal, ce que devrait être l'ordre de puissance. C'est-à-dire la Hera, là, la boulangère. Voilà. Donc voilà, j'espère pas on va repasser, voilà, je pense que l'épreuve on va pas la repasser. Ça y est, maintenant Coroidon il peut enfin être correct. Voilà, maintenant on a la Pokémonture, donc voilà, on peut... Voilà. Donc on va dire qu'on est attendu. Hein? Ah, il est là. Donc... La championne vous attend. Hein? Ah donc lui, ok, il est toujours en boucle. Ah donc on la voit. Oui, on te connaît, on t'a déjà vu. Ah, oh, pardon, c'est toi, je ne t'avais pas reconnu. Mais alors, c'est donc toi le nouveau maître dont tout le monde parle? Tout à fait. Super, j'en étais sûr. Ta progression est impressionnante. Je me souviens encore de la fois où tu t'es régalé avec mes gâteaux. Tu en avais plein sur le coin de la bouche. Ce jour-là, je me suis dit que tu avais du potentiel. Enfin, je discuterai bien chocolat et sucre glacé toute la journée, mais c'est la maîtresse en chef qui t'a envoyé me voir, n'est-ce pas? Je t'avoue que j'avais complètement oublié ces histoires d'inspection. Heureusement, j'étais venu pour donner des gâteaux à mon équipe, ça tombe bien. Bien, et si tu me montrais tes talents de maître? Non, je refuse, je veux pas. Ah, dommage, ce sera pour une prochaine fois. Reviens me voir quand tu te sentiras prêt. Bien sûr qu'on est là, bien sûr qu'on est là. On est là pour Haggle. On est là pour te faire à manger aussi. On va te Haggle et tu vas faire à manger, ça c'est bien. Donc ce qui se passe, c'est que là, voilà, avoir des Pokémon niveau quoi, 65,
Je pense que c'est le minimum maintenant, 65. C'est le minimum. Ah non, t'as été la première. Comme mon arène est assez proche de l'école, c'est souvent la première que les dresseurs et les dresseuses visitent. C'est d'ailleurs pour ça que la chef me demande d'y aller tout doux avec elle, avec eux. Mais là, je vais pouvoir me lâcher. Ils perdent comme ça, c'est triste. Mais là, je pense qu'on va... Là, si tu perds, ce sera pour de vrai. Ah, voilà. Voilà, elle est toujours sérieuse et elle parle toujours avec le champ lexical de la cuisine. La cuisine. La pâtisserie. Voilà, donc là, c'est sérieux. Ah, combat, ok, combat. Ah. Donc lui, c'est combat insecte. Ah là là. Non, non, là, je gagne. 65, j'ai dit. Voilà, 65, tu vois, j'ai eu raison. Éclat magique. Éclat magique. Ah, donc, attends, c'est insecte combat. Moi, j'ai cru que c'était insecte combat, mais peut-être c'est insecte ténèbres. Parce que si la roche reste super efficace, c'est que ça doit être insecte ténèbres. Je me dis. Un Scarino. Scarino, il est bon en défense spéciale. Donc, je pense que je le mettrai pas KO en une attaque. En tout cas, si je tape sur du spécial, il sera pas KO. Ah oui, 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 mais, ah oui, parce que éclat magique, ça tape sur du spécial. Mais je vais utiliser Forgelina. Parce qu'elle, elle tape sur du physique. Et ça va faire mal. Et vu que je suis, voilà, j'ai un type, le Scarino, il va pas me faire grand chose, quoi. À part s'il a séisme. Voilà. Non, mais quand même, j'ai dit, le fait que tu puisses changer et connaître le Pokémon de l'autre à l'avance, ça te donne quand même un avantage non négligeable. Pour pas dire que c'est de la triche. Hein. Un Philanthrope, je sais même plus c'est quoi ça. J'ai dû le voir une fois, je me rappelle de ce nom, mais je rappelle plus la gueule qu'il a. Bon, on va garder. Ah si, j'en ai attrapé un. Ça, c'est Insecte. Bon, allez, quitte à bourriner, hein. Piège de fil, je suppose que je peux pas changer de Pokémon. Ah, d'accord, c'est une protection, ok. C'est abri, quoi. Ah, je peux pas utiliser deux fois, ouais, c'est vrai. Bon, câlinerie. Non, mais je vais échouer toutes mes attaques ou quoi? Bon, ça me fait pas grand chose, mais. Ah, ok, une fois sur deux, d'accord, ok. Tu vois, c'est ce que je disais, par exemple, si je prenais un Mona Flemmite avec lui. Je gagne jamais. Voilà. Bon, il va passer son temps à se protéger, lui, ok. Bon, il fait que retarder l'inévitable, hein, c'est comme ça. Ok, bon, je vais changer puisque vu que ma vitesse a baissé. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui va me tomber dessus? Forteresse. Mon forteresse, c'est un tank en défense. Par contre, en défense spéciale, il est merdique. Donc, tonnerre, ça devrait aller.
Malédiction, baisse ta vitesse qui est déjà pas fameuse. Moi je pensais qu'il utiliserait explosion, tu vois, mais c'est bien qu'il utilise des trucs de merde comme ça. Ursaring, ah oui, parce que c'est vrai, l'évolution du Teddy Ursa qu'elle avait. Ouais, lui qui va être insecte. Bon, pour l'instant, l'endurance, je veux dire, bon, c'est vrai que j'ai l'avantage de pouvoir voir le futur. Parce que, attends, rayon gemme, c'est 80. Mon nounours. Voilà s'il attaque avant moi, et je pense que ça va être le cas. Voilà, s'il utilise une attaque insecte assez puissante, il peut mettre KO. Oh, pas forcément insecte, hein, juste sol. Allez, Aquali. Hydrocanon. Ah, coup critique. Bon, je pense que ça veut dire qu'il me met pas KO la prochaine fois. Et puis, je suis plus rapide. Un petit surf, ça ira. Ah bah ça va, elle est contente. Elle a pu se donner à fond. Cette fois pas d'excuses, j'ai perdu. Ah oui, je l'ai battu, ça va. Ah là là. Ah, de toi-même. Ah là là. En plus, la cuisine. Je veux dire, j'ai mis un peu de moi-même dans ma cuisine. Hein, ça me rappelle Danganronpa V3 avec Miyu. Hein. Ou alors, je sais plus c'était quoi la série. C'est mon neveu, il m'avait montré là une qui avait dit qu'elle avait mis beaucoup d'amour dans ses gâteaux. Et je vous laisse deviner ce que c'est son beaucoup d'amour. Hein. Donc là, on va affronter le deuxième... Ouais, le deuxième ou la deuxième, je ne sais pas dans quel ordre c'est. Alors, non, le c'est celui de type plante. Celui de type plante. Celui qui a Quencia, là, ou un truc comme ça, là. Kerake, il est haut. Ah, voilà, c'est ça, Quencia. Affronter Colza. Alors je sais pas, ils l'ont appelé Colza parce que tu sais, ça fait penser à l'huile de colza, il y a des héliatrons dans la zone. Est-ce que c'est ce côté-là? J'ai tendance à dire ça serait pas impossible. Bon là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire sans les soigner pour là. On va voir ce que ça donne, hein, jusqu'où je peux aller. Mais c'est type plante. Donc déjà, c'est type plante là. Bon, Forgelina, ça va être bien parce que bon, type plante, elle a des trucs. Après, lui, il a demi-tour. Donc là, type plante, qu'est-ce que je peux apprendre? Parce que type plante, je peux apprendre des choses, à mon avis. Parce que... faut de l'insecte. Non, moi je veux... Voilà, c'est du type insecte. Alors, il a déjà ravage rampant, mais si je peux mettre une autre CT. Bon. Bon, on s'en bat les couilles. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose là pour lui.
Je crois que j'avais pas vu de... Pour le type insecte, lui, j'avais pas vu des trucs. Alors, je pense qu'ils peuvent rien apprendre de plus. Donc là, on va aller voir El Champion. Voilà, El Champion. Il est où? Allez, il est où? Il est où? Il est là. Voilà, on voit l'image. On voit le fait que sur la carte, on nous indique fortement que l'arène est ici. Allez. Colza, il est un peu bizarre. Ah oui, c'est vrai que c'est le... l'artiste. Bon, après, ils ont tous un peu leur caractère, les champions, tu vois. Lui, tu te rappelles que c'est l'artiste. L'autre, c'est la pâtissière. Et là, il te tombe dessus, là, comme ça. Le dresseur avant-gardiste. Je peux même m'appeler maître, ça, c'est bien. Voilà. Ah, mais t'inquiète pas. J'aime bien, je vais analyser. Ah, mais si tu veux, hein, on peut parler. Voilà, c'est moi. Ah, ben écoute, on va ouvrir l'art. Voilà. En fait, t'as l'impression que c'est Deidara, le gars. Voilà, ils ont mis. Sauf que les cheveux, ils les ont mis en blanc. Enfin, en vert au lieu de les mettre en jaune, tu vois. Là, vraiment, il y a les choses. Donc le moulin, tout ça, ok, ben, ça c'est bien, mais qu'est-ce qui va être bien, c'est le combat. Ah, je vois. Voilà, quoi que tu dises, après c'est comment tu le dis. Ah ben écoute, hein, c'est content de voir quelqu'un d'enthousiaste. Voilà. Pour l'instant, ils sont tous enthousiastes de nous affronter, c'est bien. Moi, je vais aller voir le skieur, là, androgyne. On va dire, oui, c'est bien, c'est combat, mais on s'en fout. Faut faire, c'est le match, c'est les choses. On va aller voir le blasé, là. Alors, quelle œuvre. Ah, on me les soigne automatiquement, donc, ok. On me les soigne, donc, le problème est réglé. Hein. Enfin, le problème, moi, je voulais ne pas les soigner. Ou alors je... Ouais, ça lui fait rien du tout. Elle en a rien à foutre. Elle se booste. Bon, tout augmente, ok. Bon, un coup critique, ce serait bien. Voilà. Non, attends, j'ai pas compris le coup critique. Parce que je lui mets un coup, je lui enlève même pas le quart. Le coup critique, c'est censé faire 1,5 et je lui prends la moitié de sa vie. Alors, ou bien elle avait une capacité qui augmentait sa défense ou je sais pas quoi, parce que c'est pas logique. Bon, le sucréine, là. Voilà, moi je vais utiliser. Ouais, merde, là, ravage rampant, même je mets le marteau. Le marteau, ça prend plus de dégâts. Donc je vais la jouer malin. Parce que je sais qu'elle a une bonne attaque, elle. Donc on va mettre Forgelina. Allez. On va utiliser le marteau. Parce que le marteau, ça fait plus de dégâts que. Même l'autre x2, 140, le marteau, c'est 160. Ah oui, mais le truc, ça baisse la vitesse aussi. Mais merde, à moins que je sois plus lent qu'elle, mais je crois que je suis plus rapide. Je suis plus rapide, je pense. Donc le marteau est indiqué. Ah, voilà, ok. L'attaque baisse. Bah, je vais utiliser ça. Voilà. Ah, mur du lumière. Ok, mur lumière. D'accord, elle avait. J'avais pas tilté. Parce qu'il y avait un problème. Je savais que c'était. Ça répond à ma question. Donc là, ça va être. Voilà, hein, ça va être. Ça va être le câlin. Voilà, faut faire les câlineries, tout ça.
Donc c'est très important. C'est la rapidité, c'est tout ça. Et je pense pas que je vais le mettre KO. J'ai un doute sur le fait que je vais le mettre KO. Ah, match punch. Si match punch. Bah du coup je vais attaquer deux fois alors. Ah bah je l'ai mis KO, ça y est, c'est bien. Non, c'est pour ça le mur lumière, ça répond à ma question de tout à l'heure. C'était, il y avait mur lumière, c'est pour ça qu'il avait une résistance à la défense spéciale. Donc un arboliva. Je sais même pas c'est quoi ce arboliva. Bon, plante, mais c'est quoi d'autre? Bon, dans le doute, je vais prendre Aquali, je vais lancer un laser glace. Ça a pas l'air d'être rapide avec un nom comme ça, c'est un arbre, donc ça bouge pas. Ah si, j'ai déjà vu ce truc. Donc le beau gazon pousse sur le terrain. Ah ouais, tu m'expliques l'intérêt. Si la personne elle sait que quand t'attaques l'IA, si t'es pas KO, ça met l'attaque. Ça sert à rien en fait, c'est une attaque dans le vent. Bon, pourquoi pas, ça m'arrange, mais... Un simularbre. Bon, on sait qu'il va être type plante. Il était resté type roche, ça aurait été bien, mais... Bon, il va être type plante. De manière, il a une défense spéciale de merde. Il a une vitesse de merde. Donc, normalement, je devrais arriver à faire quelque chose. Le véritable. Ah oui, le véritable, puisqu'il prend le type plante... D'accord, je comprends le jeu de mots. Mais bon, la Verimore aussi, hein. Que veux-tu que je te dise, laser glace. Ah, il résiste. Et là, il va utiliser. Qu'est-ce qu'il va utiliser? Désert baf. Bon, il y a le champ herbu, tout ça, peut-être. Ah ouais, quand même, il tape fort. Coup critique. Sa vitesse augmente. Ah. Là, il va peut-être me mettre KO. Je vais essayer de me dire... tiens. Bon. Je pense pas qu'il sera plus rapide que Tauros. Je sais, je pourrais mettre, mais bon, je me dis... J'ai pas envie de perdre de Pokémon pendant le combat, tiens. Donc, on va... Je vais la jouer comme ça. Il va pas me mettre KO, je pense. Ah, ça met toujours des coups critiques ou quoi ce truc? Ouh, bon, colérique ne sert plus à grand chose là. À moins que je mette. Ah, le champ herbu, tout le monde récupère des PV en fait. Ah, c'est comme ça, c'est. Il n'y a pas la discrimination de l'ennemi, c'est toujours c'est bien, c'est bien. Close combat, hein. Voilà, comme ça j'aurais perdu aucun Pokémon durant ce combat. Voilà. Donc voilà, l'artiste, voilà, le combat était une œuvre d'art. Ça dépend du point de vue du Huron, plutôt le point de vue, selon le point de vue dont on se place. Parce que je voulais dire le point de vue durant lequel on se place, mais je pense pas que ça veut dire grand chose, comme tournure de phrase. Quel combat créatif, les couleurs fusent et se transforment dans un dégradé sublime. Voilà. Ah ouais, je sais, je vais pas finir artiste, hein, je pense. Ah. Ah, j'aime bien ce côté un peu, voilà. Voilà, t'as l'idée en tête, tu fais le côté, ça, ça... Ça me correspond, on va dire. Bon, je suis pas peut-être dans le délire artiste, mais... d'un certain point de vue... Je suis pas étranger à ce sentiment. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Pour l'affronter, troisième. Donc troisième, si je dis pas de conneries. Ben, y a pas vraiment écrit qui est premier, qui est deuxième, troisième, tu vois. Mais selon les niveaux que j'ai affrontés, si je me rappelle bien, parce qu'après là, c'était quoi? Attends.
Parce que là, il y avait... Il y avait qui? C'était pas lui, non, non, non. Bon, lui, c'était 36 et tout. Donc après, t'avais lui, t'avais... T'avais la rappeuse. T'avais Groucho, non, c'est pas lui. Mais c'est ça, parce qu'en fait, j'ai quoi? Il m'en reste 5. Donc si je pense que c'est par... C'est elle, après. C'est Machine. Hein. C'est-à-dire, on va faire encore un live ensemble, tout ça. Voilà. Elle va rameuter tout le peuple. Elle va dire, voilà, faut regarder la vidéo, faut regarder. Et que si elle gagne, elle va avoir masse d'abonnés. Est-ce que j'ai affronté plus de gens, là? Qu'est-ce qu'on donne? Salutations. Ouais, elle va me dire non. Elle va me dire, t'as le droit à rien. Ok, c'est très bien. Bon, nous, on est venu pour... En plus, la musique, hein. Je pourrais... Ah, voilà, la musique que j'aime bien. Mais qui va pas durer longtemps, puisqu'on est dans l'arène, malheureusement. Donc là, on va lui parler. Hello, buenos, buenos, salut. Place à ma chaîne, place à ma chaîne. La reine de la toile élec va mettre l'ambiance. Aujourd'hui, on accueille la chef pour... Non, c'est pas la chef. Mais t'es pas Alisma? Eh non, c'est moi. Hein, tu viens de passer au rang maître et tu fais déjà l'inspection à la place de la chef? Mais JPP, j'ai l'impression que t'as réussi ton examen d'arène il y a genre 5 minutes. T'assures? Eh, mais attends, c'est le moment de se faire une collab. Les vues sur mon stream vont exploser. Bon, c'est décidé, on va se faire ça. C'est pas toi que je m'attendais à voir, mais ça change rien. Je vais me donner à fond. Ça va être un combat de ouf. Bon, on s'y met. Non, on va te laisser poireauter un peu. Ouais, on va t'affronter maintenant. Ah, maintenant, elle a apparu, tu vois. Elle a apparu. Une machine sauvage apparaît. Donc là, qu'est-ce qu'elle dit? Voilà, ouais. On va tout donner, t'inquiète. Allez. C'est vrai qu'elle a des magnétis sur elle. C'est vrai que j'avais pas... Si, j'avais tilté, mais bon. Elle s'est toujours pas refaite les dents. Hello, buenos, salut. Place à ma chaîne, place à ma chaîne. On se retrouve tous ensemble pour les machins de machine. Aujourd'hui, on est avec un invité qui envoie du lourd, le nouveau maître Moedra. T'es peut-être pas au courant, mais tous les champions ne parlent que de toi. T'es dans le top des tendances. En même temps, t'as fait des étincelles pendant tes examens d'arène. Alors, c'est pas étonnant. Y a moyen que ce stream fasse grave le buzz avec un invité comme toi. Alors, voyons voir, je vérifie juste le cadrage. Bon, je pense que mes abonnés ont assez entendu. Je vais tout donner, vous m'aurez jamais vu aussi à fond. Alors, ce que je trouve dommage, c'est qu'ils aient pas mis un, tempo, un autre tempo, peut-être pas changer totalement la musique, mais montrer que c'est le niveau 2, quoi. Que là, ça y est, on a fini la ligue, on est maître. Allez, un petit, voilà. Il va augmenter la vitesse de ses alliés, comme ça. Bon, je pense... Ah, Oh, ah oui, ok. Donc, il va augmenter sa puissance aussi. Voilà, KO. Après, faut pas oublier, c'est électrique, donc j'ai le Bourinos, hein, type sol, ça pardonne pas, hein, un électrode. Bon, je vais utiliser Bourinos. Séisme. Bon, je me suis rien augmenté du tout, hein, donc ça va pas forcément être utile. Bon, allez, bye bye, hein. Un Luxray. Ils vont me lancer quoi? Crogibre? Ah, ça marche pas, ça marche pas. Donc là, séisme, hein, bye bye.
Donc déjà, ça fait 3-0. Un amphibidou. C'est le type eau électrique. Bon, on va préserver un peu notre... Puis les types eau. Donc magie florale, ça devrait faire son office. Attends, c'est type électrique. Attends, pourquoi c'est... Ah, c'est que électrique. Je croyais que c'était eau électrique. Ouais, j'ai dû halluciner. Mais bon, c'est pas grave. Ça va rien changer. Si, ça va changer que je mettrai deux fois au lieu de un. Donc, il se charge après une attaque, quoi. Ah, paralysé. Ça, c'est pas bon, ça. Paralysé, ah. Bon, je suis quand même plus rapide que lui. Ah, peut-être parce que ça divise que par 2 et pas par 4. Je sais qu'avant ça divisait par 4, mais là c'est par 2. À un moment donné, je crois qu'il était pas KO parce que ça a mis l'activation de son talent. Et je me suis dit, il est KO. Magie rêve. Allez, forger Lina. Pour éviter de me faire... Bon, là, l'objectif, c'est vraiment qu'on n'arrive pas à me mettre KO un Pokémon. Voilà. J'utilise déjà pas la Terra Cristallisation. J'ai envie d'éviter de me faire mettre un Pokémon KO. Laisse-moi une petite chance. Laisse-moi gagner. Ah non, on ne te laisse pas gagner. Hein. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on va mettre un peu un... Le marteau... Ah merde, putain, c'est vrai que si c'est type électrique, c'est pas efficace. Putain, j'ai oublié ce détail. Bon, ce détail, c'est pas grand-chose, ça va aller, mais... J'ai oublié que le type acier était pas efficace contre le type électrique. Bon, je viens de m'en rappeler. Voilà. En plus, on balance des attaques de feu, comme ça, on me crame aussi tant qu'on y est. On baisse l'attaque spéciale, mais j'en ai rien à foutre de l'attaque spéciale, là. Bon, c'est pas très efficace, mais bon. Voilà, câlinerie. Parce que je peux pas utiliser deux fois de suite le marteau. Et c'est là où tu te dis quand même, c'est x4. C'est x4 les trucs. Tu vois, x4 le feu contre elle. Et elle résiste. C'est là où tu vois quand même, elle est puissante. C'est bien. Ah, dommage. Bon, elle a disjoncté, là. Ou plutôt, elle a... Ouais, elle a disjoncté. Mais dans le sens, ça s'est déconnecté, quoi. Wow, il déchire le nouveau maître. En plus, j'aime bien avec les magnétites, t'as l'impression, tu sais, c'est comme si elle tombait dans les pommes, tu vois. Je pense que c'est fait un peu comme ça. Je trouve que ça, c'est marrant. Je suis un peu dégoûté d'avoir perdu. Mais regarde-moi le nombre de vues. Le stream a explosé les records. Team Machine, t'imagines, t'imagines, putain, jeu de merde, t'imagines pas à quel point ça m'a fait plaisir, ça me fait plaisir. Comme quoi les guests, ça attire les foules. Ça serait cool que tu repasses sur ma chaîne à l'occasion. Par contre, interdiction d'aller chez les autres, je veux garder l'exclu. Et je compte sur toi pour laisser un like sur ma performance quand tu verras la chef. Voilà. Ouais, on trouve. Et refais-toi des dents, ce sera bien. On arrête les dents de requin comme ça, tout ça. T'as les moyens en plus. Voilà. Ah, le Voltali qui dort là. Voilà. Nous on arrive et il se lève, voilà. Il se lève devant le maître. Voilà, il se lève. Donc là, quatrième, on va aller. Quatrième, ça va être qui? Bah, ça va être... Et quatrième, ça va être... Bien sûr, ça va être... Ça va être Combou, là. Parce que c'est ça. Parce que de toute manière, il y a la type 6 et l'avant-dernière, la rappeuse. Voilà, parce que là, il reste combien? Il en reste normalement 5.
Donc elle, c'est avant-dernière. Normalement, il y a lui. Après, il y aura le type normal. J'ai l'impression que j'en loupe un. Ah si, c'est ça, oui, c'est lui, c'est Grisha. Donc on va aller affronter Kombu. Voilà. Celui qui m'a battu, non, ouais, c'est vrai que je peux pas me téléporter direct. Bah lui, il faut se téléporter à Jaramanka. Jaramanka. Donc on est là. En plus, voilà, le premier qui m'a infligé la défaite. Donc maintenant qu'on a Koraidon et qu'on voit que la reine, elle est tout en face. Petit saut. Ah putain, c'est tout en haut encore. Que je saute au-dessus de la fontaine. Ouh. Allez, deuxième saut. Bon. Allez. Donc voilà. Arène. Après, c'est type O. Donc là, vraiment type O. Il y a moyen. Même... si je mets lui en premier, en plus je suis assez rapide. Bienvenue dans l'arène de Jaramanka. Ah, c'est toi, Nonda Astakuda. J'avoue que je m'attendais à voir quelqu'un d'autre. La maîtresse en chef par hasard? Oh, je vois, c'est Alisma qui t'envoie. Le temps passe vite, hein. J'ai l'impression qu'hier encore t'essayais de gagner des badges. Et te voilà maintenant au rang maître. Tu me fais penser à ces Pokémon poissons qui deviennent tout à coup énormes en évoluant. Tu dois vraiment être un petit prodige pour qu'on t'envoie direct tester ce que j'ai dans le ventre. Mais tu sais, quand on gère un restaurant, on est habitué aux critiques. Donc c'est pas ça qui va me faire peur. Alors qu'est-ce que t'en dis? Tu veux voir si j'ai encore l'étoffe d'un champion? Bon, on va dire non, comme d'hab, on va voir ce qu'il dit. Il n'y a rien de plus important que la fraîcheur. Et ça vaut pour les combats comme pour la cuisine. Alors un conseil, reviens me voir avant qu'il soit trop tard. Parce que sinon... voilà. Alors voilà, directement on voit, voilà, ça nous met au combat, le reste on s'en fout, c'est déjà les autres qui vont venir le voir. Ah ben tu peux me donner du fric alors si tu veux me remercier. Ah voilà le Délestin. Hein, celui qui m'avait mis KO avec Picor avant. Mais les rôles vont être inversés maintenant. Parce que maintenant, plus rapide, plus puissant, plus résistant. Et en plus au même niveau. Tu sais ce que ça veut dire, une petite magie florale. J'attaque avant toi, coup critique et c'est fatal. Tu vas crever. Allez. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc là, qui c'est qui va lancer? Le Bekipan. Bekipan, on va changer. Je vais prendre Faramp. Tonnerre, ça va être intéressant. x4. Même si je lançais... je lance... peut-être que si je lance même... merde, comment ça s'appelle? Là, t'accroches, là. Je ne me rappelle pas du nom, là. Rayon Gemme. Rayon Gemme pourrait le mettre KO. En plus, le pire, c'est que bon, il lance de la pluie. Donc, si je lance une attaque électrique, elle échoue pas. 100% de précision. Mais Rayon Gemme, je pense que ça pourrait le mettre KO. Ouh, Surf. Il me prend exactement la moitié. Voilà, ça le met KO. Ah, coup critique aussi, mais... mais ça l'a mis KO.
un trio Pico. Alors là, j'attaque quoi? Je vais faire magie florale. Hein. Donc un gant blast. Ouais, je vais garder quand même. Je pense que magie florale ça peut aller. Voilà, KO. Un crabe minable. Hein. Bon, je vais garder elle. Enfin, garder lui. Voilà, il va dire maintenant le torrent et tout ça. Comment ça se passe? Eh bien, ça se passe comme ça. Voilà, Terra, cristallise-toi. Libère ta puissance. Et fais-toi exécuter. Voilà. Bon, il le prend bien, ça va. Après, voilà, on est à peu près au même niveau. Je veux dire, je suis pas au niveau 80, quoi, donc... Voilà. Bon ben voilà, hein, ça se passe bien. C'est intéressant, donc là la moitié, hein, la moitié. Hein. Là donc c'est assez rapide, hein. De toute façon on va à la ville, on affronte le champion et puis voilà. Pas trop de blabla inutile, ça fait plaisir. Et puis de manière on sait où on va, on n'est pas en terrain inconnu quoi. Donc là du coup je vais aller voir le type normal. Hein. Voilà, Okuba. D'ailleurs je crois que la première fois, la description c'était... Il bosse pour la voilà la Ligue Pokémon, je sais pas en tant que combat, donc peut-être avec ça on pouvait déduire qu'il faisait partie du Conseil 4. Mais voilà. Voilà. Bonjour. Tu n'as pas de rendez-vous? C'est bien ma veine. Pile à l'heure de ma réunion avec la chef. Maintenant que j'y pense, ça ressemble bien à la chef de procéder ainsi. Pas d'inquiétude, j'ai bien compris de quoi il s'agit. Je suis ravi de collaborer avec vous. Voilà, ça c'est bien la phrase, voilà, la Startup Nation, tout ça, du travail. Tout le plaisir est pour moi. Toutefois, la chef est certes ma supérieure, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle confie cette tâche à un élève. Oh, je crois comprendre.
Grâce à ton aide, elle a du temps pour participer à un tournoi dans ton école, ai-je bien saisi? Je vois, si cela lui fait plaisir, je pense qu'à sa place, j'aurais refusé de participer au tournoi sans hésitation. Bien, essayons d'en finir aussi vite que possible avec cette tâche. Cela te convient-il? Non. Je souhaiterais en finir rapidement, si cela ne te dérange pas. Le mieux à faire, lorsqu'on nous confie une mission ennuyeuse, c'est d'en finir au plus vite. Et si nous commencions? Non. Bon allez, on va arrêter de faire le con. Dans ce cas, rendons-nous de ce pas au trésor culinaire. Tu m'as déjà affronté lors de ton épreuve pratique au conseil 4. J'imagine que donc tu ne dois pas être très impressionné. Et si nous commencions? Cette fois, c'est en tant que champion que je t'affronte. Je me servirai donc de mes Pokémon de type normal. Or, mes Pokémon sont de type normal, ordinaire, commun, sans surprise. Bref, tout ce qu'il y a de plus banal. Ils conviennent parfaitement à quelqu'un qui se fond dans la masse, comme moi. C'est pourquoi je les affectionne tant. Pourquoi tout compliquer inutilement? Cela vaut aussi bien pour les êtres humains que pour les Pokémon. De nos jours, les gens n'apprécient plus que les choses clinquantes ou excentriques. On peut bien sûr apprécier un voyage, mais au fond, il n'y a que chez soi où que l'on se sent vraiment à l'aise. Rien ne vaut la simplicité. Simple is best. Te voilà toi aussi aux ordres de la chef, tu as toute ma sympathie. Allez, demi-tour. Moi je vais utiliser Tauros. Voilà, un petit. En plus, ah non, regarde, on voit, regarde, c'est une femelle, peut-être c'est pour ça qu'elle a un peu de, j'allais dire du eye, je sais pas comment dire, eyeliner ou quoi. C'est le truc de maquillage là que tu mets sous les yeux. Donc close combat, je pense que ça va aller. Le truc jaune, en tout cas, je pense que c'est peut-être les femelles de cette espèce, elles ont ça quoi. Le guéri-aigle. Voilà, foire rampe. Allez, tonnerre. En plus, je le paralyse. Bon, il va être mort, donc ça sert à pas grand chose, mais bon. Deux sous lourdeaux. Allez, Tauros, close combat, tu sais ce qu'il te reste à faire. Dodo, là, ouais, on va faire close combat aussi. Mais ce truc peut pas être plus rapide que moi. D'ailleurs, il est voué à se suicider, le Tauros. Ah, et tout Raptor peut être plus rapide que moi. Bon, on va mettre Farham dans le doute. Le type normal a une certaine motivation maintenant. Intéressant. Bon, ça servira pas à grand chose, mais bon. Ah oui, c'est vrai que c'est son dernier, putain, j'avais pas tilté.
Des fois, ça va tellement vite que je me dis qu'ils en ont 6, pas 5. Bon, allez, tonnerre, ça devrait aller. Si sa défense spéciale baisse, tout ça. Voilà, KO. Mais c'est intéressant de voir que le type normal, c'est représenté par par un diamant dans la terra cristallisation. C'est assez intéressant à voir. Je vais devoir prendre des congés pour me remettre d'un tel déluge d'émotions. Quoi qu'il en soit, je pense avoir saisi quelque chose. Je crois comprendre pourquoi on m'a demandé d'utiliser le type vol au Conseil 4. Si on ne sort pas des sentiers battus, on risque de ne jamais voir certains paysages. Admirer de temps à autre un talent aussi vertigineux que le tien m'est bénéfique. Ne va pas croire néanmoins que je le fais par plaisir, je me plie aux ordres de la chef. Sur ce, tu me pardonneras, mais on m'a sommé de ne pas faire d'heures supplémentaires. Au revoir. Bon, on va aller affronter quelque chose. Non, en fait, comment dire? D'un côté, je peux comprendre le côté simple, mais il faudrait qu'il y a le côté la motivation. Et souvent, on peut être motivé pour des choses qui nous intéressent et s'en foutre du reste, mais je pense qu'il... En fait, c'est... Pour moi, en tout cas, moi, c'est pas naturel. Moi, je m'intéresse à des choses. Il y a des choses, j'en ai rien à faire. Mais je m'intéresse à pas mal de choses aussi. Donc, je pense qu'il y a, peut-être une moyenne qui est constante. Mais l'écart type doit être assez élevé. Puisque quand on s'en fout, soit on s'en fout, soit on est intéressé, quoi. Et lui, il a l'air un peu de s'en foutre de tout. Bon, un peu blasé. Et je me dis, c'est un peu triste parfois. Mais là, il reste quoi? Il en reste 3. Donc, il y a qui? Il y a la rappeuse. Donc, il faut aller voir la rappeuse à Frigao. Il doit être là-bas. Ah voilà, avec la grande allée là. Bon allez, elle va nous faire un petit rap. Yo, ça fait un bail. Ton nom c'est Moedra, c'est ça hein. Qu'est-ce qui te branche aujourd'hui? T'es venu pour un petit battle de rap, j'ai parié. Ouais, je préfère faire l'expression de la reine. Ah bon, c'est la chef qui t'a demandé ça. Alors tu es là à la place d'Alismar. J'ai capté le délire en gros, mais j'ai l'impression qu'elle me prend pas au sérieux. Elle m'a envoyé un maître novice. Désolé, hein, je dis pas ça contre toi. De toute façon, je voulais qu'on se croise à nouveau. Je voulais qu'on se croise à nouveau. Alors ça m'arrange que tu sois là finalement. C'est l'occasion rêvée, ça te dit un petit combat histoire que tu montres ce que t'as dans le bide. Allez, oui, on va dire oui direct. Ok, c'est décidé, je vois que t'es OP, viens par là, le concert va commencer. Voilà, toute la ville qui va venir. Ah non, y a personne. N'empêche, c'est dingue, tu t'es pointé à l'examen d'arène il y a vraiment pas longtemps. Et te voilà maître à remplacer la chef pour les inspections. C'est hallucinant comme le temps passe vite à mon âge. Tu as cru, je suis pourtant pas du genre à me lamenter. Je suis lame, poétesse de la punchline, la reine de la rime, dans mon arène, le beat m'anime. C'est parti pour un combat d'anthologie façon rap funéraire, check cette impro. Tu as la force des jeunes pousses déterminées à percer. Tu t'élèves encore et personne pour t'arrêter. Mais pourras-tu faire éclore ton talent dans mon ombre? Fais trembler dans mon âme dans ce rap d'où ton tombe. Bah voilà, faut pas oublier qu'elle a des Pokémon de type spectre, elle. Donc type spectre, j'ai le ténèbre pour le calmer. Ah oui, c'est vrai que c'est combat double en plus. T'es bien joli, petit challenger. Donne tout ce que t'as. Vas-y, fais-moi peur. Bon, mais de manière, ça va pas être compliqué. On va mettre du tranche nuit. Sur ça. Et l'autre, il est type fée. On va foutre le marteau sur lui. Il doit avoir sa mue là, son espèce de chose qui se débarrasse. Ah non, il a rien du tout, c'est bien ça.
Bon ben... Tranche nuit sur le tombéro, câlinerie sur le spirit tombe. Tout ça, ça veut dire que le chaos arrive. Tout simplement, voilà. Instant critique, je suis à sec, coup de panique, instant critique à deux doigts de la zic. Allez. Bon, il devient type spectre, mais il va prendre deux attaques d'un coup, donc ça devrait aller pour lui. C'est-à-dire que ça devrait aller pour moi plutôt, parce qu'il va tomber KO. Ah, il tombe pas KO. Overdrive. Donc ça va, il est un peu plus résistant que ce que je croyais, ce Pokémon. Un peu plus. Voilà, j'ai battu Lime, la championne d'arène. Voilà, c'est bien. Bon, mais ça va. Voilà, validé par la vieille. Mais bon, maintenant, on va aller voir... La mannequin, hein. Ah putain, je suis rentré là. Là, c'est mauvais ça. Voilà. On va sortir correctement. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est parce qu'il faut aller voir Tully. Donc elle est où? Elle est vers là, elle. Elle est vers le haut là. Voilà, c'est là, c'est là. Alforniera. Le désert. Ouh. Voilà. Et j'ai l'impression de faire un speedrun, quoi. Comme si t'enchaînais toutes les arènes, tu vois. Bon, c'est ce que je fais, mais bon. L'arène d'Alforniera. Vas-y. Moedra, ça alors. Ça fait longtemps. Tu es encore plus resplendissant que la dernière fois que je t'ai vu. Merci, c'est gentil. Tu es si adorable, ne change surtout pas. On me le dit souvent que je suis adorable, ça fait plaisir. Si je comprends bien, tu es venu à la place d'Alisma. Pour être honnête avec toi, je ne m'entends pas très bien avec elle. Le magnétisme que dégage l'aura d'Alisma fait bien trop d'ombre à la mienne. Donc en gros, elle est plus classe qu'elle et elle est un peu complexée, visiblement. C'est pour ça que je suis bien contente que tu la remplaces. Ta présence va me permettre d'appréhender ce combat plus sereinement. Elle a la bouche ouverte. Bien, es-tu prêt à mener un combat d'une incomparable magnificence? Ah non, je suis pas pressé. Trop d'éclat, tout ça. Non, on n'est pas prêt là. On n'est pas préparé psychologiquement. Il faut quelques 3 secondes pour se préparer. 3, 2, 1. Et là, ça y est, on est prêt là psychologiquement. On est prêt à faire le combat. Magnifique. Rendons-nous au terrain de combat alors. Avant le combat, toutes les cellules du corps sont en effervescence. Et c'est d'autant plus vrai contre un adversaire aussi fabuleux que toi. Te voir ainsi m'emplit d'une joie immense. Tu as appris à exploiter pleinement ton potentiel et je suis très fier d'y avoir contribué. Bon, ça a été vers la fin que je t'ai vu, donc tu as contribué, mais pas forcément à la hauteur de 1/8. Voir les autres réussir me donne la force de me dépasser et me rappelle qu'il faut savoir sécher ses larmes
et aller de l'avant. Surtout si tu veux pas que le maquillage coule, hein. Faudrait même pas que les larmes coulent en fait. Parce que sinon c'est mauvais. Après tout, la tristesse ne fait pas partie de mon panel d'émotions. Tu as dû t'en rendre compte dans mon programme de fitness. Puisqu'on en parle, je vais t'enseigner ce qu'est le véritable fitness emotion. Là, on va balancer les attaques ténèbres. Un galam, c'est combat psy, je crois. Bon, ben, Forgelina, hein. Kalinerie, ça devrait être super efficace. Ah, le fameux garde-voir. Le fameux garde-voir. Type fée psy, donc le marteau ça devrait aller. Puis comme je l'ai déjà rencontré, le jeu pour faciliter ma non rétention d'informations devrait me dire ce qui devrait marcher ou non, hein. C'est ainsi. Un cléopsite là. On va prendre Miascarade. On change pas l'équipe qui gagne et qui prend aucun dégât pour l'instant. Ce serait bien que ça dure. Toi aussi tu m'as mis la misère dans le désert, je me rappelle. Hein. T'étais niveau 39, tu m'as attaqué, tu m'as brisé comme un moins que rien. Mais là c'est fini là. Les rôles sont inversés maintenant. Donc voilà, cette fois je me fais pas piéger. C'est le dernier, c'est la Terra Cristallisation. Donc ça veut dire que le type ténèbres est super efficace. Voilà, de toute façon. Allez. Un petit coup critique, ça ferait plaisir. Un sans faute, pas un dégât de prix. Aïe aïe aïe, pouvoir lunaire. Voilà, super efficace. Malheureusement, j'étais à un petit coup. Mais bon, c'est comme ça. Tauros, je vais faire une petite assurance. Ça devra aller pour la victoire. Voilà. Ah non, moi j'ai aucun talent. Et j'aime bien sa phrase. Il vaut mieux ne pas avoir de talent du tout que d'en avoir un peu. Ah voilà. C'est pour ça que l'autre il est blasé. Il dit bah, je m'en fous, je fais rien. Bon. Allez, on va aller voir Grusha. Ah Grusha, j'aime bien, j'aime bien. Il va nous dire. Ouais, il va dire la photo. J'aime bien quand il a dit. J'ai adoré sa phrase. Pour la CT, ce sera plus intéressant que la photo. Que c'est les réseaux sociaux, les trucs comme ça, là, des je sais pas quoi. Non, 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 ça, moi, je ne veux pas ça, moi. Moi, je veux la glace, les respectabilités.
Donc là, je m'envole à l'arène. Tiens, c'est toi. Tu es ici pour faire un peu de glisse. Je ne sais pas si la neige est vraiment bonne aujourd'hui. Et si on discutait un peu? Je ne vois vraiment pas de quoi on pourrait parler. Ah, j'ai compris. Tu es venu faire l'inspection à la place d'Alisma, c'est ça? Tu en as de la chance, toi, d'avoir réalisé ton rêve en atteignant le rang maître. Ah, désolé, je suis conscient d'avoir l'air aigri. Je pense réellement que c'est impressionnant. C'est juste que ce n'est pas évident pour moi. Bon, tu veux voir ce que je vaux, il me semble. Allez, finissons-en. Non. Donc tu es monté jusqu'ici et finalement tu lâches l'affaire. Tu es quand même étrange. C'est bon, tu es motivé maintenant. Allez, plus vite on s'y met, plus vite on aura fini. Et si on sortait? Il vaudrait mieux pour toi qu'il ne neige pas. Donc là, il y a tout le public autour, ok? Tu en as de la chance. La météo en ta faveur. La montagne se montre sympa avec toi. Tu sais, la Ligue vient plusieurs fois par an faire ce genre d'inspection dans les arènes. Et si on ne se montre pas suffisamment à la hauteur, on perd notre place de champion. Bien sûr, Alice m'a dit que ce ne sont que des formalités. Mais déjà que j'ai dû faire une croix sur mes rêves de snowboarder, si on m'enlève le seul autre truc pour lequel je suis doué, il ne me restera plus rien. Donc je dois te hagal, je dois te battre. Pardon, je ne voulais pas jeter un froid. Alors qu'en vérité, tout ça c'est très simple. Il suffit que je te congèle jusqu'aux os. Et tout ira bien. Ou alors là, j'ai vraiment le pire match-up. Hein. Glace insecte. Voilà. On peut pas faire pire. On peut pas faire pire. Glace insecte, bon. Allez. Donc glace insecte, donc je vais changer. Tu vois, avant c'était x4, maintenant c'est divisé par 4. Donc si tu faisais la 16, 16 x 16, ça fait quoi? Ah, ça fait 256. Donc déjà que elle, si c'était super efficace x4, elle serait KO. T'imagines? L'autre? Ah, il n'y a plus, même pas on discute. Il serait KO, le Miaz Karad. Il serait KO. Donc voilà, comme je frappe fort, le marteau. Toujours le marteau. Ça reste la valeur sûre. Il y a un problème. Tu sais comme il disait, je sais plus qui il disait, si vous avez un marteau, tous vos problèmes ressembleront à des clous. Eh bien, c'est comme ça. Le marteau, il est là. Il est là pour assigner la puissance et le respect. Le pôle à griffe. Ah, mais c'est vrai que je peux pas utiliser deux fois. Je peux pas utiliser deux fois. Je peux pas utiliser deux fois. Mais c'est pas grave. Voilà. Séisme-toi, t'as séisme-toi. Tu m'attaques avec le séisme comme ça. Ah ouais, bien joué, bien joué. Ah bah écoute, c'est vrai que si j'avais le marteau, il serait KO. Hein. Tu vois, c'est ça, marteau, le fait de pas l'utiliser deux fois, ça pardonne pas. Mais bon, il y a aussi quelque chose qui pardonne pas là. Là, je vais utiliser les choses simples. Torogne. C'est très très simple. Et c'est super efficace. Là il va mettre quoi, le bal balèze. Bah, peut-être, j'ai envie, je vais mettre close combat. Là ça va être quoi, ça va être du 180 x 2. Plus l'objet qui me permet d'augmenter les attaques du 400. Ça devrait le mettre KO, 400. Bon, c'est un sac à PV aussi. Hein. Mais il est KO. Il est KO. C'est comme ça.
Donc tu peux bien compter, allez, 450 quand je lance sur un super efficace. Le Dimoré, Pokémon extrêmement rapide, hein. Extrêmement rapide, faut pas oublier. Sûrement plus rapide que Tauros, hein. Ça c'est sûr. Et comme j'ai baissé ma défense P, il peut lancer une attaque de bâtard et mettre KO. Me gèle pas. Voilà. Ah, tu vas plus attaquer du tout après rayon gemme. Hein. Ah, tu résistes. C'est quoi maintenant? Il résiste, ça. C'est nouveau, ça. De toute manière, il est paralysé. Il peut pas attaquer, donc c'est réglé. Hein. Comme j'ai dit, il va plus attaquer. J'avais raison. C'est juste que ça a pris plus de temps, mais la réalisation était vraie. Il ne pouvait plus attaquer. C'est comme ça que ça se passe. Donc là, Altaria, Altaria. Donc moi, Altaria, je vais mettre... un close combat, quand même, que tu puisses mettre un Altaria KO avec close combat, c'est bien. C'est pas tous les jours, il faut en profiter. Mais j'ai déjà battu ces 4. Le... tu vois, ça va vite les combats, ça va vite. Je te laisserai, voilà, le vent tourne. And winter is coming, winter is coming. Winter is coming, but not in Carcassonne. Hein. Attention, c'est très important. Donc voilà, ton KO, voilà, 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 c'est tout. Voilà, voilà, tout le monde est tombé KO, les 8 champions ont été battus, hein. Là moi je suis à peu près à 1h15, voilà, à peu près 1h15 dans la vidéo, un peu moins, mais bon, je donne l'ordre d'idée. Donc la flamme qui brûle en toi, j'avoue qu'elle m'émeut quelque peu. Alisma doit vraiment avoir une dent contre moi pour m'envoyer quelqu'un d'aussi fort que toi. Je n'avais aucune chance. Mais je ne regrette rien. J'ai pu montrer ce que j'avais en moi. J'ai tout donné et j'ai quand même perdu. Franchement, c'est hyper frustrant. Ça m'a donné envie de prendre mon rôle de champion d'Allen plus au sérieux. Tu as rallumé une flamme en moi alors qu'elle était complètement éteinte. Merci Moedra. La prochaine fois, c'est moi qui te battrai. Fais attention à toi dans la descente. Et n'attrape pas froid. Ah, voilà, on l'aime bien quand même, ça va, c'est bien. Un côté positif, si on a pu raviver la flamme, eh bien, on a fait le taf. Donc maintenant, on est appelé par, bien sûr, la chef, grande chef, Alisma, tout ça. Bon, après, le rapport, il va être un peu pourri, je pense, parce que quand moi, je rédige, c'est jamais comme on attend, mais on va voir ce qu'elle va dire. Allô? Ah, inconnu. Allô, maître Moedra? C'est Alisma, ah, voilà. Comment se passe l'inspection des arènes? Où t'as eu mon numéro, toi? Ah, ma position me permet de connaître beaucoup de choses sur les personnes de rang maître, dont leurs coordonnées. Les champions et les championnes m'ont fait part des détails de ta visite dans leurs arènes. Visiblement, j'ai eu raison de te faire confiance. Tous étaient bien ravis d'avoir l'occasion de t'affronter à nouveau. J'aimerais que tu me dises de vive voix ce que tu as pensé de cette inspection. Retrouvons-nous dans le hall d'entrée de l'académie. Je t'y attendrai. Ah, je pense que le... ok, le 3 points, c'est plutôt... c'est pas... tu ne sais pas qui parle, c'est plutôt... t'as pas le numéro de la personne qui s'affiche. Il y a ce côté-là qui est mis en avant aussi. Oui, le fait que, ben, forcément, quand t'as ton portable... si t'as le numéro qui s'affiche, tu sais pas qui c'est. Donc, l'académie... Académie. Toujours devant l'académie. On esquive un peu. Ah, on peut esquiver si on veut. Hein. Bon, un jour, je suivrai des cours. Je sais que j'ai fait le cours de maths une fois. Donc, je verrai.
Moedra, te voilà enfin. Dis-moi, que penses-tu de ce hall et tous ces livres qui en décorent les murs? Ça sent le prestige et l'argent, ça, on faut dire la vérité, ça sent l'argent. Ça sent qu'il y a quand même une certaine attente, on peut se cultiver, à condition que ce qu'il y a écrit dans les livres, ça soit pas de la merde, mais ça a l'air intéressant. Voilà. Je veux dire, j'adore, je le trouve sans respect. Je suis contente que la décoration soit à ton goût. C'est moi qui ai dessiné les plans lorsque nous avons rénové la pièce il y a quelques années. Donc c'est elle, l'architecte du bâtiment. La mémoire du bâtiment, c'est elle. Ok. Enfin bref, parlons plutôt de ce que tu as pensé des champions. Mais pas ici, les murs ont des oreilles. Ah, connais-tu un endroit plus calme, à l'abri des oreilles indiscrètes? Tu viens chez moi alors? Ou ma chambre? Tiens, il y a un lit. Il y a des choses indiscrètes qui vont être faites. C'est donc dans cette chambre que tu loges. Ouais, là, si elle dit qu'elle est petite, je la tue. C'est ici que tu as cultivé les nombreux talents qui t'ont permis d'atteindre le rang maître? Absolument pas. Ah, mais j'oubliais que tu n'as emménagé que récemment. Si t'avais dit oui, elle aurait dit ah oui, mais c'est vrai, c'est grâce à notre excellent programme, notre intégration, afin que les gens se sentent pleinement investis et puissent suivre leur formation et leurs études d'une manière approfondie et consciencieuse. Tous les moyens seront mis en œuvre, sans aucun problème. Non, c'est pas ça. C'est de la merde, ça. J'aimerais aussi visiter ton domicile familial, si un jour, si tu me permets une telle indiscrétion. Ben, fais une indiscrétion dans la chambre, comme la blague du mouton noir, hein. Si tu dis rien pour le mouton, je dirai rien pour le bébé. Bref, rentrons dans le vif du sujet. Je voudrais que tu me dises ce que tu as pensé des champions après ton inspection. Contre qui as-tu eu le plus de facilité à combattre? Après, ça dépend du type, mais si je compte la personne que j'ai battue le plus facilement sans aucun problème... là, c'était qui? Contre qui j'ai perdu aucun Pokémon? Bon, après, je sais plus. Mais je sais qu'il y en a un et j'ai perdu aucun Pokémon, quoi. C'est pas Hera. C'est pas Grusha. Si, c'est elle. Elle, j'ai perdu aucun Pokémon. Lime, ça me surprend pas. Qui t'a laissé la plus forte impression? Est-ce qu'on peut dire « ne se prononce pas » Après, qui c'est qui me laisse la plus forte impression en général? Je vais dire lui. Non, je sais pas. Comment... Parce que le truc, c'est que ça, tu vois, c'est les trucs où elle peut dire « oui, mais ça, je m'en doute ». T'as envie de donner la réponse la plus improbable à la personne qui te laisse la moins d'impression. La personne contre qui t'as dit que c'était le plus simple. J'ai envie de dire elle, on va voir ce qu'elle dit. Ça m'étonne pas. Et toujours, ça me surprend pas. On va voir si la cohérence est attendue. Ah, qui c'est que je préfère? Là, on va dire... qui c'est que j'aime bien? Bon, elle, j'aime bien, Tully. Grusha, j'aime bien. Bon, Machine, j'aime bien. Ah, c'est vrai que j'aime bien un peu... Et on va dire Tully, tiens, allez. Tully, je suis plutôt d'accord. Non, en fait, elle dirait ça, voilà. Oui, c'est-à-dire une personne qui va te donner deux réponses qui sont complètement contradictoires. Ah, grâce à moi, l'emploi du temps est désormais beaucoup moins chargé. En gros, t'es un peu la secrétaire, quoi. Non, c'est toi, tu deviens ma secrétaire. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Ah, voilà, le tournoi. C'est bien, on va te hagal aussi, on va te hagal. Ça, c'est bien. Sur ce, je te laisse. Encore merci pour ton temps. Tu dois être fatigué. Profites-en pour te reposer un peu. Ah, le combat, le tournoi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'on va faire la prochaine fois? Parce que là, je vais arrêter l'épisode. Parce que clairement, là, clairement, le jeu te dit, tu te reposes, putain. Voilà. Bah, écoute, je vais écouter ces sages conseils du jeu. Je vais arrêter la vidéo ici. Voilà, elle aura duré à peu près 1h20. Donc, j'aurais fait en continu les 8 champions. On a fait un rapport. On a fait un rapport qui était merdique. C'est-à-dire un rapport où confusion, j'allais dire anachronisme, mais non. En fait, où incohérence et même inconsistance règnent.
Mais voilà, comme j'ai dit que j'étais nul pour rédiger des rapports, c'est comme ça que ça se passe. Donc le rapport, voilà, là, il a été sciemment saboté pour voir ce qu'elle dit, et c'est de la merde. Voilà, elle a dit que c'était très bien, mais bon, dans la vraie vie, on te dirait que c'est de la merde. Clairement. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc je vais terminer la vidéo ici, hein. Si vous l'avez aimé, pensez à vous abonner, à commenter, à liker et à partager. Ça fait plaisir, ça aide à faire grandir la chaîne. Ça vous permet de le faire gratuitement et ça me motive toujours plus à vous trouver des sujets. Voilà, que ça c'est des sujets d'actu, là des let's play et la prochaine fois, qui sait, peut-être des analyses ou des reviews sur des mangas et des jeux qui m'ont marqué. C'était Moedra, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.